L'aviation aussi a échoué avant le bombardement. Elle a échoué pendant le bombardement. Elle a échoué tout au long de ces trois journées que nous avons vécues, sans que fléchisse un seul instant notre volonté de ne pas nous laisser séparer de la France. Le sort des armes nous a été favorable. L'échec des entreprises menées contre nous est dû aux réactions immédiates des exécutants aux prises avec les émissaires. Il est dû à la magnifique bravoure des troupes de terre, de mer et de l'air. Il est dû à la haute tenue morale de la population européenne et indigène. Aux heures les plus critiques, les chefs de l'armée, de la marine et de l'aviation m'ont donné le spectacle exaltant de leur maîtrise et de leur détermination.